Bonjour à tous, Salish. On se retrouve aujourd'hui pour le donjon du Kontrazov, puisque voilà, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je l'ai fait en une tentative, c'est passé directement. Donc j'ai filmé ça, je vais vous commenter et vous dire ce que je pense avoir compris globalement, puisque j'ai fait donc les salles assez vite, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de voir tous les effets des mobs. Et aussi sur le boss, du coup, vu que je l'ai fait en une tentative, j'ai pas forcément tout compris. Donc voilà, je vais me contenter de vous expliquer du mieux possible. On va commencer d'ailleurs par le premier mob, c'est celui que je vais focus, vous allez voir. Donc il s'agit du Viandargue. Donc le Viandargue qui est un Yop. Donc il met des petits dégâts quand même, des dégâts corrects on va dire. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle je focus direct, c'est qu'il fout un gros malus de puissance. Autrement dit, à chaque coup que vous allez recevoir, il va vous mettre moins 400 de puissance, moins 600 en coup critique, donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je focus direct, surtout qu'il a une IP très très bourrin. Donc en plus, au niveau des résistances, il est largement correct. Vous allez voir d'ailleurs, les résistances des mobs, globalement, elles sont pas très hautes, je pense que ça va être up. On verra bien. Donc voilà, je focus le Viandark direct pour m'en débarrasser. D'ailleurs, le niveau de difficulté du boss. Alors, beaucoup de monde le compare au Glour Céleste. C'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'on est sur ce niveau-là, à peu près, de difficulté. J'aurais même tendance à dire que c'est un peu moins dur que le Glour Céleste. Puisque l'air de rien, le Glour Céleste, c'est. Il y a des trucs qui sont assez punitifs. Par exemple, si tu détacles au mauvais moment, tu peux te faire OS. Si tu te prends des dégâts de poussée, quand tu débuffes aussi le Glour, si tu vas contre un obstacle. Bref, il y a pas mal de trucs qui font que le Glours, ça peut être punitif. Là, il n'y a vraiment pas de mécanique, enfin j'en ai pas remarqué en tout cas de mécanique punitive. Donc là, le mob que je tape, c'est le Nemrose, donc c'est un SRAM caché dans un buisson. Bah là, j'ai pas bien compris le mob en fait, donc il met des coups, mais à part ça, il pose des pièges qui se déclenchent. En fait, j'ai jamais déclenché les pièges. Je sais pas à quel moment ils se déclenchent. Je suppose qu'il faut avoir un certain effet pour le déclencher peut-être, je sais pas. Donc bon, vu qu'il était là, j'ai commencé à le taper. Et j'ai aussi attiré donc le Crambo, qui est un Cra. Donc c'est celui que je suis en train d'attirer là. Je l'attire assez vite, puisqu'en fait, c'est un mob qui tape assez fort. C'est surtout que plus vous avez de vitalité, plus il va vous taper fort en fait. Autrement dit, si vous lancez le combat full vita avec des persos à 4500 vita, il va vous mettre direct des claques à plus de 1000 points de vie. Donc bon. Si vous pouvez le focus, c'est cool, sachant qu'en contrepartie, du coup, il a très peu de résistance. Donc voilà, je l'ai attiré pour le Ken aussi vite que possible. Je vais parler vite fait des deux autres monstres du donjon, qui sont pas là, parce que j'ai fait le combat à 4. Donc il y a le Brocouillon, là aussi, j'ai pas eu le temps de voir vraiment ses effets. Il invoque juste une sorte de fiole à un moment pour qui fait des dégâts quand vous la tuez ou quand elle explose, puisque elle explose d'elle-même. À part ça, j'ai rien noté de spécial. Et il y a une chevrotine, donc c'est une Ouginak, qui met des dégâts et qui sinon invoque un petit chien. Le chien qui fait des malus de PM. En gros, si le chien vient à votre cas, qui va vous mettre moins 10 PM. Mais du coup, à part ça, vraiment, les monstres, je vous le dis sincèrement, ils m'ont pas trop impressionné. C'est vraiment limite le Crambo le plus dangereux, puisqu'il met des gros coups. Du coup, voilà pour les mobs du donjon. On va passer au boss. Donc le boss, en fait, le principe, c'est qu'il a plus de 125% de res dans le meilleur des cas. C'est 125% en air. Sinon, il a 140% terre, feu, etc. Bref, il y a donc un moyen, évidemment, de baisser ses résistances. Donc je vais vous expliquer ça. Là, vous venez de voir que je viens de lui appliquer un état de terre, en fait, puisque je l'ai tapé terre avec le Xelor. Il faut savoir que le dernier élément dans lequel vous le tapez, il va prendre l'élément en fait en question pour effet. Ça va être au-dessus de sa tête, donc là on voit qu'il est terre, pardon. D'ailleurs, faut se méfier puisque les invoques peuvent changer son élément. Et en fait, ça va être simple. Dès que le boss va tuer une invocation ou un personnage, il va prendre 10% de faiblesse dans l'élément dans lequel il se trouve. Donc là, vous venez de voir, il vient de tuer le tonneau, donc il est dans l'élément terre, donc il passe de 140% de résistance à 130. Sachant que ce malus de résistance dure 5 tours. Autrement dit, il va falloir invoquer énormément d'invocations, leur enlever autant de points de vie possible pour être sûr que le boss les tue, et du coup, bah, de fil en aiguille, il va perdre des résistances. Donc là, en fait, c'est la strat que je vais adopter. Je vais invoquer autant que possible, en fait, et du coup, je vais taper mes invocations. Le but, c'est de les mettre vraiment avec le moins de vie possible pour que le boss puisse les achever. Je vais aussi faire attention de mettre les invoques tout proche du boss.
Un point que j'ai pas abordé, c'est la mini-chrone. Vous voyez qu'il y a une mini-chrone. Eh ben, je vais être honnête, en fait, j'ai pas du tout vu ce qu'elle fait, puisque elle a pas du tout été ciblée du combat. De ce que j'ai compris, en fait, si j'aime le boss, il a un sort pour la tuer, pour l'instant vraiment. Et du coup, s'il la tue, vous prenez un malus de PA et vous prenez de l'érosion. Donc en fait, moi, au début du combat, elle a suivi mon ennemi. Et du coup, bah, le boss l'a pas tapé. Et puis au bout d'un moment, je sais pas pourquoi elle s'est cassée en fait. Du coup, bah, c'est cool puisque le boss l'a pas tué comme ça. D'ailleurs aussi, si au début du tour de la mini chrone, s'il y a des personnages à son corps à corps, vous avez des points de bouclier, si j'ai bien vu. Donc voilà, là on voit qu'il vient encore de tuer des invocs. Il n'en a pas tué tant que ça, donc il est encore un peu plus de 100% terre, je crois. Voilà, il est à 100% terre, donc je peux toujours pas le taper. Et donc bah, je vais faire exactement pareil, je vais invoquer autant que possible et je vais les amocher. Et là du coup je vais commencer à avoir pas mal d'invocations, ce qui fait qu'au prochain tour il va passer sous les 100% terre et je vais pouvoir commencer à le taper. Du coup bah voilà, je pense avoir fait le tour pour les effets du boss. Ouais, du coup il tape en zone le boss. Donc faites gaffe avec les invoques que vous mettez, faut pas qu'elle tape dans un autre élément que celui que vous voulez. Donc là, l'échafaire, ce qui est bien, c'est qu'il tape terre. Mais je veux dire, si vous invoquez un Doppel, méfiez-vous que le Doppel joue pas juste avant le boss, sinon ça va le mettre dans le mauvais élément. Donc voilà. Moi, je l'ai mis évidemment élémentaire vu que j'ai le Xel et le Yop. D'ailleurs, prochain tour, je vais avoir la Coco, ça va être sympa. Donc là, vous pouvez voir, il y a plus de 6 invoques sur le terrain déjà. Elles sont presque toutes amochées, d'ailleurs, elles vont toutes être amochées avant son tour. Je les amoche autant que possible pour être sûr qu'il les tue, même s'il tape en zone, c'est. Parfois il tape pas très fort, donc faut pas prendre de risques. Et donc là, vous allez voir que sur 6 invoques, eh ben, il en a tué 5. Donc il était à 100% de résistance terre, il passe donc à 50%. 50% de résistance terre, ce qui fait que je vais pouvoir commencer à le taper. Donc en fait, avec le Xal et l'Hyop, j'ai commencé à le taper. Et avec l'Eni et le Panda, en fait, je vais continuer d'invoquer et de les amocher un peu, les invocations, histoire de continuer à lui enlever des résistances. Parce que pour rappel, les faiblesses durent que 5 tours, donc au bout d'un moment, il récupère ses résistances. C'est pour ça que vous avez intérêt à vous assurer de lui continuer à lui enlever. Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour, ben, on va attendre la Coco. Je pense que le duo va être assez compliqué, puisqu'il va falloir gérer à la fois les retirer des faiblesses, des résistances, pardon, et il va falloir le taper en même temps. Je pense que ça va pas être simple, le duo. Mais à part ça, pour une team normale de niveau 190-200, vous allez vraiment pas avoir de soucis, je pense. Moi, en tout cas, vraiment, je l'ai fait du premier coup, alors que je connaissais très peu de choses sur le boss. J'avais juste fait un spectateur avant et j'avais vu que du coup, j'avais compris direct le système pour le debuff. Donc voilà, la Coco qui passe. Et tout simplement, en fait, je vais continuer le combat à faire ce que je vous ai dit jusqu'à ce qu'il crève. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai mise en vitesse 1,5. Le combat il a duré une quinzaine de minutes à peu près. Mais voilà, en tout cas c'était un combat que j'ai vraiment apprécié, ça m'a. Bah, je me suis pas pris la tête en fait, c'était cool, ça change des dimensions. Bah, j'espère que d'ici la mise à jour ils vont pas trop le up, puisque je le trouve bien comme ça. On verra bien. Du coup, bah, pour les 2-3 minutes qui restent, je vais vous laisser en musique. Bah, du coup, je vous dis à très vite.